Comment ça va, Henri? Que Dieu vous protège. Je suis presque sûr de m'en souvenir. Allez-y, dites-moi. Il chante une sorte de berceuse ou comptine. Il l'utilise pour calculer le temps de chauffe et de trempe. Nous y voilà enfin, moi qui avais exprimé mes doutes quant à la véracité de ces sortilèges. Et vous vous souvenez de cette comptine? Possible, mais ce n'est pas tout. Il chauffe le métal par deux fois. Deux fois? Pourquoi faire une telle chose? Vous lui poserez vous-même la question. Mais la deuxième fois, ça n'a pas sifflé alors qu'il avait chauffé. Et sa comptine, ça donnait quelque chose du genre... Le crépuscule est proche, de la forge il se rapproche, c'est presque dans la poche. On dirait plus un début. Gutenberg est loin, isolé, la ville est loin, trop éloignée. Et deux et trois. À bout de souffle, des pieds je souffre, je suis fauché et mal chaussé. Oui, ce doit être ça. Le soleil est brillant, luisant, mon amant est loin d'être vieillissant. Et sept. C'était la première partie. Maintenant la suite. Bonjour, Henri. Le soleil voyage derrière un nuage. Pour le forgeage, je prends de l'âge. C'est le commencement de la deuxième partie, non? En noyant le poisson, le polisson s'est cogné la tête. Ah. Mets la tête dans ton assiette, garde le reste pour de l'andouillette. Et 4 et 5. Et puis c'est tout. Voilà ce qu'il récitait. D'accord. La première partie est longue et la deuxième deux fois plus courte. Voici votre récompense. Et si jamais vous cherchez du travail... Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, maître forgeron. J'ai entendu dire qu'un pèlerin de la Terre Sainte était passé dans la région pour vendre des reliques. Est-ce qu'il serait venu ici pour vous proposer un fragment d'épée? Vous seriez étonné si je vous répondais oui. Pourquoi cette question? Je voudrais vous le racheter. Ma foi, pourquoi pas? J'ignore pourquoi je me suis laissé embobiner. Et elle est inefficace, car ce n'est pas pour autant que j'ai été plus chanceux. Bonne chance alors.